Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'ouverture de la SAT Nintendo Switch. Alors oui, je sais très bien que vous savez déjà tous ce qu'il y a dedans, étant donné qu'il y a déjà des vidéos qui purulent sur YouTube d'ouverture de Nintendo Switch. Mais moi je l'ai eu qu'aujourd'hui, donc je pouvais pas faire mieux. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu la console une semaine en avance, voire mieux. Mais elle est sortie aujourd'hui les gens, donc moi elle est là, voilà. Donc on va l'ouvrir tranquillement. Zelda, je vous raconte même pas, il y a des let's play, ils sont déjà au boss final. Enfin bref, moi je l'ai pas encore commencé. Donc les gens, je suis super content, franchement c'est un truc de fou. On va ouvrir ça bien tranquillement. Alors j'en profite pour vous dire que je sais que je vous avais dit que on allait faire peut-être un petit live ce soir sur Zelda. Parce que oui, il y a Zelda avec. Mais en fait les gens, je pensais pas la recevoir aussi tard. Je pensais la recevoir ce matin. Et pour tout vous dire, je viens juste de la recevoir et je sais pas si je vais avoir le temps de la brancher, faire les mises à jour, configurer mon logiciel de streaming. Je sais pas du tout. Si vous voulez tout savoir, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et je dirai ce qu'il en est. En tout cas, on va l'ouvrir ensemble. Et vous savez déjà ce qu'il y a dedans. De toute façon, voilà, vous avez tous vu les vidéos. Il y a la Switch, elle est là. On va la déballer. Donc ça, c'est cool, franchement. On va déballer ça, mon vieux. C'est la première fois que je la tiens en main. Ce délire. Putain. C'est une tablette, mon vieux. Voilà. C'est une tablette de chez Jiffy à 30 balles, les mêmes. Sauf qu'il y a marqué Nintendo Switch derrière, quoi. Non, je vous assure, je déconne pas, c'est les mêmes tablettes qu'à Jiffy. C'est la même. Ma petite soeur, elle a la même. Je l'ai payé 30 euros. Mais voilà, celle-là, elle vaut 300 boules, mon vieux. Mais en tout cas, c'est bien cool. On va la mettre à côté. Ah, par contre, c'est pour la même puissance. Attention! Ah, bah oui! Donc, on a ici les petites Joy-Con. Moi, je les ai pris en couleur. Oh là là, comment que ça fait trop flashy, franchement. C'est excellent. Ah ouais! Franchement, c'est excellent, quoi. Voilà, petite Joy-Con des familles. Voilà, voilà. Et c'est bien cool. De toute façon, vous connaissez déjà. Voilà. On a la Joy-Con bleue. Donc voilà, on va la sortir. Alors apparemment, c'est vrai que maintenant, dans les manettes, il y a ce qu'ils appellent des vibrations HD, mon vieux. C'est des trucs carrément, par exemple, vous pouvez verser de l'eau comme ça et vous sentez l'eau qui coule, apparemment. Vous pouvez compter combien il y a de billes et tout. Enfin voilà, j'ai vu les vidéos comme tout le monde quoi. Voilà donc la Joy-Con bleue. Donc franchement c'est bien cool. C'est super stylé. Alors attends, j'ai envie de tester un truc. C'est que normalement, donc maintenant on prend ça. Alors ça, ça va être ici. Est-ce que c'est dur à mettre ou pas? Non, c'est pas dur à mettre du tout. Ça se clipse tout seul mon vieux. Voilà, impeccable. Bon bah ça fait déjà pas le même bruit que dans la pub. Mais putain en tout cas ouais, en tout cas, c'est cool. C'est assez... Enfin, c'est cool. Disons que je trouve ça assez spécial. En fait, je trouve ça vachement... vachement large, vous voyez. Enfin, c'est parce que j'ai pas l'habitude aussi. Moi, je joue tout le temps soit sur clavier, soit sur manette. Donc, j'ai pas du tout l'habitude aux consoles portables. Hein. Ça me fait assez bizarre, la prise en main. Mais bon, je pense que c'est un coup à prendre. Hein. Voilà. Hein. Donc, voilà, les gens. Ça donne ça une fois la console branchée. Donc on va la poser de côté. On va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Je vais pas vous embêter longtemps. On va aller très vite. Voilà, parce qu'on sait déjà tout ce qu'il y a dedans. Donc ici on a, voilà, on a ce qu'ils appellent le Joy Grip. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Alors normalement, ah oui par contre, tiens, comment qu'on fait pour les enlever? Alors attends, voilà, j'ai vu les vidéos. Il y a un petit clip derrière. Donc ça s'enlève vraiment très facilement, donc voilà, c'est plutôt cool. Putain, par contre, les traces de doigts, ça j'aime pas ça. Je vais acheter un écran de protection, c'est obligé, mon vieux. Ah oui, bah direct. Non, j'aime pas. Il y a des traces de doigts partout déjà et tout. Alors, la Joy Grip, voilà, c'est ça. Donc, ça se met comme ça, tac, voilà, tac. En fait, ça fait un peu comme des Wiimote, ça, si vous voulez, c'est un peu pareil. Et voilà, et il y a la petite manette et tout, et c'est. Assez bizarre. Bon après c'est parce que j'ai pas l'habitude hein. Je veux dire c'est vraiment parce que j'ai pas l'habitude quoi peut-être. Mais c'est très bizarre. Voilà. Disons que prise en main là tout de suite maintenant, c'est vrai que dans l'état, je vous dirais que ça vaut pas une manette d'Xbox quoi. Mais bon, je pense que c'est un coup à prendre. C'est voilà, c'est pas non plus c'est pas dégueu quoi. Voilà, ça donne ça. Voilà. C'est assez chelou. Mais bon, ça doit être un coup à prendre je pense. Voilà, c'est juste une fois que j'aurai l'habitude, bon bah ce sera cool. Ici c'est les dragons pour mettre sur les Joy-Con. Vous connaissez, voilà. Ça rajoute des petits boutons. En fait, ça rajoute des petits boutons L2, R2 quand on les met dessus.
Voilà. Donc, ils ont mis un câble HDMI, ça c'est plutôt cool. Il y a une petite notice. Ça, c'est le chargeur en USB-C pour recharger la console. Voilà. Et donc, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, fais... Donne-moi ça, mon vieux, putain. Donc, voilà, c'est le dock qui va permettre de brancher la console à la télé. Alors, par contre, il y a un truc. Il y a un truc que je me demande. C'est parce que je l'ai vu dans les vidéos. C'est quand tu la mets dedans, je voudrais pas que ça raye l'écran, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'ai très peur de ça. Est-ce que ça tient bien? Oh là, bah, faut... bah, de toute façon, c'est pas fait pour la retourner, hein, je veux dire. Mais voilà. Donc, bah voilà, là, elle est clipsée dedans. Ça a pas l'air de toucher l'écran. Bon, bah, faut pas trop ripper quand on l'enlève. Faut pas faire genre comme dans la pub, clac, 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 tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas rayer ton écran en 2 secondes, à mon avis. Voilà, je vous le dis, à l'intérieur, y a pas de patin de protection. Hein. C'est du plastique dur sur les côtés, les trucs que vous voyez, là. Donc, voilà. Je voudrais pas trop rayer l'écran. Donc voilà, on a le dock, c'est bien cool. On a des petits patins. Ah bah par contre, ils ont mis des petits patins en dessous, tu vois. Ils auraient pu mettre... tu vois ce que je veux dire? Genre du velours. Tu vois, voyez ce que je veux dire? Genre un petit peu de velours et tout sur les côtés. Bon bah, voilà. Faudra faire attention, quoi. Donc, eh ben on a déjà déballé la Switch. C'est nickel. Alors je vous dis, c'est un unboxing très rapide. Parce que je vais pas vous embêter avec ça. Je sais très bien que vous savez déjà tous ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est cool. On a le petit Zelda, on va déballer ça. Les cartouches, j'ai cru voir que c'était pas plus gros qu'une carte SD. Regardez ça mon vieux, la grosse boîte pour ce petit bout de plastique. Il est tout petit de bordel, laisse tomber. Bah, putain, t'as pas intérêt de le péter mon vieux. Hein. Je vais te dire, faites attention quand vous le sortez de la boîte. Hein. J'ai déjà failli le casser en deux le bordel mon vieux. C'est pas plus gros qu'une carte SD. C'est pas plus gros qu'une carte SD, mon vieux. Regarde ça. Voilà. C'est une petite carte SD. Putain. Eh ben, ce délire. C'est tout petit, mon. C'est tout petit. Alors, attends. J'ai envie de voir un truc. Alors, je vous ai pas montré, mais de toute façon, je sais que vous... Merde. Allô? Allô, allô? Allô? Ah oui, je croyais que mon micro était débranché, putain. Bon, bah, c'est nickel. Alors, je vous ai pas montré, mais il y a des petites ventilations ici. Voilà, si la caméra elle veut bien faire le focus. Voilà, vous avez des petites ventilations ici et tout, c'est cool franchement. Voilà, et donc les cartes, donc c'est les cartouches, elles se mettent ici en fait, elles se mettent sur le côté comme ça. Et donc ça doit se mettre dans ce sens là, je vais pas forcer. Voilà, c'est comme ça, ok nickel. Bon bah écoutez, je vais laisser Zelda dedans, de toute façon c'est le seul jeu que j'ai. Et puis pour tout vous dire, c'est le seul jeu qui m'intéresse. Il y a que pour Zelda que je l'ai pris. Voilà. Alors ça fait cher le Zelda mon vieux, mais bon bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça hein. Alors bien sûr par la suite il y aura d'autres jeux certainement qui m'intéresseront. Mais pour le moment il y a que Zelda qui m'intéresse, il y a que ça. Et donc avec le Zelda j'ai eu un petit cadre. Je savais même pas mon vieux, j'étais pas au courant. Voilà. Un petit cadre en 3D, franchement il est super stylé. En fait si vous voulez... Il y a tous les Links de toutes les générations. Voilà, regardez. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais il est ultra stylé, ça fait bien la profondeur et tout. Et voilà, il est vraiment très stylé, franchement. Il est super cool. Ok, c'est nickel. Bon, les gens, je vais pas vous emmerder plus longtemps avec le set unboxing des familles. C'était la Nintendo Switch. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher, je vais la configurer. Je vais essayer de configurer mon logiciel de stream. Bref, les gens, je vais pas vous embêter plus longtemps avec le set unboxing des familles. C'était la Nintendo Switch. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher. Je vais essayer de configurer mon logiciel de stream pour ce soir. Et puis, je vous tiendrai au courant sur Twitter et Facebook. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Il y a les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde!